Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 4 sur Dead Space 2, où on reprend là où on était. On s'était fait attaquer par des putains de bébés tueurs. Il y avait une dizaine, une quinzaine de bébés qui me sont sautés dessus en mode de monstre, c'était plutôt atroce. Et donc on va continuer tout ça, voilà. Allez, c'est parti. Et maintenant, j'ai une putain de mitraillette. Et ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Qu'est-ce qu'on va encore me faire chier dans l'ascenseur parce que moi j'en ai marre. L'ascenseur c'est ma zone de confort, j'ai dit, ma zone sans stress. Putain, mais à chaque fois je me fais avoir et si jamais on m'attaque par derrière, je suis foutu. Hey Dana, un type bizarre essaie de me contacter. Je l'ai rencontré à l'hôpital. Nolan Strauss, ancien patient du projet, tout comme vous. Hein? Ok. C'est un psychopathe, Zack. Méfiez-vous de lui. Il a tué sa femme et son fils. Ok, j'ouvre l'œil. Ok. Donc un mec que je ne pourrais pas faire, dont je ne pourrais pas faire confiance. Très bien, ça m'arrange de le savoir parce que comme ça au moins je resterai sur mes gardes. De même, ça c'est la forme du mithril. Attends, ils appellent ça le mithril ? Non, je ne me souviens plus. Moi c'est chelou. Hein. Salut. T'as perdu un bras. Il y a rien à récupérer d'autre là. Je dois juste avancer. Ah si. J'avais bien. Oh c'est la teuf. Bref. Passons. Alors, du coup. Salut. T'as rien à me donner toi? Si là il y avait un truc. Message trouvé. Histoire de la conquête spatiale. Renaissance d'une lune partie 2. Une colonie d'envergure fut établie sur Titan afin d'en étudier les moindres détails et de préparer son désassemblage. Durant cette période, les plateformes orbitales installées pour l'occasion devinrent les prototypes des futures brises surface. Titan fut démantelé avec succès puis traité à une vitesse impressionnante. L'opération fut un immense soulagement pour la population terrestre, menacée d'extinction par le manque de ressources. Ouais. Malheureusement... malheureusement, ça s'est un peu mal passé au final, à la fin. Hein. Sur les traces d'Altman, à l'intention des disciples de Michael Altman. Nous, enfants du monolithe... Oui, c'est ça alors. Non, j'avais Dimitri, le... je suis con. Du monolithe, dénonçons la politique de répression menée par le gouvernement à l'encontre de notre liberté de culte. Ton culte, mec, il a fait s'éteindre toute une population, quoi. Ce gouvernement limite abusivement les actions de notre église, interdit par la force nos rassemblements lors des jours d'unité, censure la diffusion de nos écrits. Nous y voyons autant de tentatives ridicules pour cacher la vérité. Notre vérité. Ces tentatives seront vaines. Le chemin emprunté par le gouvernement est impie, aveugle, destructeur et sans espoir. Seule l'unitologie peut encore apporter des réponses. Altman l'avait prédit et nous sommes au service de... je sais pas quoi. Désolé, je savais pas comment je faire pour descendre, du coup je me suis complètement trompé. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a des gens qui voulaient un culte au monolithe. Très bien. Ces gens sont fous, complètement tarés. Le prochain, il est là. Vas-y, viens. Ça, c'est le double monolithe. Genre, la paix intérieure. Mon cul. Ça apporte que de la merde, ce truc-là. C'est peut-être plein de puissance, mais ça transforme tout le monde en monstre. Ça, c'est masse. M'arrange pas des mâles, des masses. Un lieu de recrutement unitologue. Je me suis perdu. Oui. Il y a un vieil accès de maintenance qui vous conduira jusqu'au tour Cassini par le système de tri des ordures. Mmh. A plus. Ok, très bien. Eh bien écoute, allons-y, hein, tout simplement. Encore des messages. Tac. Ah, en fait, là, c'est le... Ah, ok, je suis dans l'endroit du culte, en fait. Qui, quand, comment, où? Wow. Qu'est-ce que je fais, là? Je vais crever, là, si je fais rien. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je suis complètement mort. Très bien, me dis pas que je vais réapparaître à côté des bébés, là. Ça risque d'être chiant. Ça risque d'être un peu chiant. Ah non, c'est bon. Ok, cool.
Bon, on va pouvoir lire le message du con. Église, membre du jour. Les nouvelles recrues se raréfient ces dernières semaines. Le gouvernement n'y est pas étranger avec sa campagne de dénigrement et nous faisons passer pour des escrocs, voire des terroristes dans les médias. Bah, c'est un peu ça. Hein. De toute façon, les cultes religieux qui partent un peu trop loin, ça donne jamais rien de bon en général. Hein. Les responsables des églises de Vénus et de l'Héliopause travaillent à une réponse appropriée. Le budget nécessaire sera alloué aux relations publiques, voire directement aux médias pour réfuter ces accusations. Les licenciements de la CEC ont également une incidence... Nos recrutements ayant chuté de 30% par rapport à l'année dernière. Terminé. Et bien moi je dis, c'est pas plus mal. Hein. Je veux dire, vous voyez un culte à un truc complètement chelou. Moi je dis, c'est pas plus mal. Bon alors du coup, je vais essayer de me mettre là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est bon, j'ai pas détruit la porte. Tout va bien. Ouais, c'est la fuite, ouais. C'est la fuite parce que si jamais il y en avait qui m'attaquaient par derrière, j'aurais pas trop aimé ça. Putain, ça me fait flipper! Ah. Ok. Donc tu décides de passer par là. Écoute, pourquoi pas? Pas trop ce qui va se passer dans ces grandes nuits, mais bon, pourquoi pas. Mais j'étais bien dans l'autre salle, genre il y avait de la place et tout, je pouvais courir. Lui je le sens pas lui. Mais ça va. Boum, 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 boum. C'est rigolo de marcher comme ça quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais ça je sais déjà ça. Que je survis comme ça. Vous voyez, retournez les contrôles. Ouais, ok, ok. Mais je sais ça déjà. Je me vide de bon sang. Ces salauds m'ont pas loupé. J'espère que ça pourra vous aider. Qui que vous soyez. Oui, je sais, mais ça, je savais déjà. Et d'ailleurs, c'est ce que je faisais au début. Même si j'ai un peu abandonné pour passer aux armes, au vrai, mais... Mais bon. Alors, soit j'ouvre ça, soit je vais voir ce qu'il y a là-bas. D'abord, on va aller voir ce qu'il y a là. Je peux ouvrir ça aussi. Bon, bon écoute, on va commencer par ce qui est plus près. Enfin, il y a un boucan là-dedans. Ok, ça c'est fermé. Bon, bah écoute, pas de choix. Passer par là-bas. Attends, y'avait pas de truc à récupérer là? Ah non, c'est des javelots. Ah, cool! Une salle. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? Bon, on va sauvegarder déjà. Ça fera pas de mal. Ça fera pas de mal. Accepter. Oui. Ok, plan. Améliorer équipement. Oui! On va voir si je peux pas utiliser mes points de force. J'en ai un. Je vais pas aller loin avec ça. Du coup, ce que j'ai envie d'améliorer quand même, c'est mon rig. Ou alors... Ouais, j'ai augmenté ma force, mais dommage, l'arme, ok. Ou alors mon arme d'assaut, c'est pas mal aussi. Histoire d'augmenter la capacité, ouais, ça peut être pas dégueu, ça. Très bien. F, quitter. Putain, ça fait un bordel! Oh là, c'est terrible. Arrête, arrête.
arrête-toi deux secondes. Ouvert. Ok, très bien. Donc maintenant, je peux rentrer là-bas. Je pense qu'il fallait que je passe par là, en fait. Ah, il y a un truc là, attendez. Dent trancheur. 75, c'est pas mal, ça. Pas mal du tout. Bon, du coup, je peux rentrer là-bas. Eh, tu veux pas crever deux secondes, là? C'est bon, il n'y en a plus. Hein. Vous avez fini de me casser les couilles ou comment ça se passe? Oh, j'ai plus que 59 balles. Ah non, c'est bon. Bon, après, j'ai toutes mes autres armes, donc ça devrait le faire, mais... Ça devrait le faire, mais bon. Alors, ouvrir. Maintenant, je peux passer par là, normalement. Oui, parfait. Excellent. Je vais me soigner aussi un peu. Non, mais je veux pas changer. Je vais garder ma mitraillette, moi. Voilà, très bien. Zone sans gravité, c'est-à-dire que je peux sauter, ça. Je peux y aller directement par là-bas. Il y a des trucs à récupérer un peu partout. Décoller, atterrir. Halt. Wow. On va aller voir ce qu'il y a là, d'abord. Avant de passer à la suite. Toujours des trucs intéressants. Allez, un point de force. Et des trucs à récupérer, parfait ça. Du crédit. Et des dents de tracteur. Ok. Est-ce que j'ai tout récupéré? Il y a un truc là aussi, éventuellement. Putain, j'aime bien ce système, franchement c'est cool qu'il l'ait mis quoi. Ça me plaît pas mal. Et du coup il y a quoi en bas là? Il y a rien, hein. Ça écrase des trucs. Bon, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Putain, ça me fait flipper ces gars là. Ils sont trop chelous. Je le sens pas ici. J'ai l'impression qu'il va se passer un truc. Activé. Wow. What the fuck? Ah, normalement il y a des trucs qui apparaissent là, qui rentrent là-dedans et après ça va là-bas et ça se compacte. C'est comme ça qu'ils arrêtent les ordures. Ok. Enfin qu'ils... Je peux pas le désactiver. Bon bah alors j'imagine qu'il faut que je retourne là-bas du coup. Et que je me serve de ça pour faire quelque chose. Mais alors quoi? Va savoir hein. Est-ce que tu crois qu'il faut que je passe à travers, genre en mode... Mais, allez! Est-ce que tu crois qu'il faut que j'évite les trucs, là? Y arrive? Ah oui, c'est ça. Accélérer, mage. Ok. C'est totalement rassurant, hein, de passer là-dedans, bien sûr. Et sur W pour s'orienter vers le sol. Ok, très bien. Non mais ça va, je m'en sors. Je m'en sors. Tout va bien, je suis passé à travers une grosse turbine. Excellent. Excellent, excellent. Est-ce que tu peux te fermer histoire que j'ai ce bruit infâme dans les oreilles? Oh bordel. Ah j'aime pas ça. Ouh, j'aime pas ça. Aïe aïe. Oh là là, c'est terrible. Ouh, c'est terrible. Oh. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, mais j'ai lancé une mine. Non, je sais pas ce que j'ai fait, mais. J'ai appuyé sur espace en même temps. C'est vrai que j'ai des mines, tiens, faudrait que je les utilise des fois aussi. Ce serait pas débile ça. Genre qu'il y a des gros groupes. Ok, un peu de calme. C'est pas plus mal.
Bon après c'est vrai que le fait qu'il y ait du bruit m'empêche de d'être trop surpris s'il y a des gens qui me sautent dessus. Et comme ça au moins j'ai pas la grosse musique stressante dans les oreilles. J'aime pas ça. Je sens mal. Je savais. Je savais. 27 balles. J'ai plus que 27 balles. Ouais, je vais les garder. Je vais prendre ça à la place. Ah, il y a un truc d'énergie. Là, il y a un mec mort. Ça, c'était un truc pour récupérer une combinaison d'ingénieurs. Ça, je peux l'utiliser avec un verrou de... avec un truc de force que je vais utiliser, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Utiliser la télékinésie, oui. De la lumière! Oh, merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Je vais quand même utiliser ça parce que on gagne vraiment plein de trucs sympas là-dedans. En général. Allez! Quoi? Oh, j'ai plus de... oh, j'ai plus place dans mon inventaire. Oh, je suis complètement fou. Je suis fou! Ça se vend super cher, ça. Oh non, quel con. Il n'y a aucun moyen pour sauvegarder près d'ici. Bon bah au pire maintenant que je l'ai ouvert. Je pourrais l'ouvrir plus tard aussi, donc on va voir s'il n'y a pas moyen de... d'avoir un stock pas loin. Ok, c'est à l'ascenseur. Très bien. De quel côté, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le doute s'empare de moi. Très bien. Parfait, ok. Ok, très bien. Ah, un point de force. Excellent. Excellent, excellent. Bon, toujours pas de truc pour vendre ce que j'ai en trop, hein. N'empêche. Oh là là, ça sent le culte. Ça sent le culte chelou à plein nez, ça. Ça me donne pas confiance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce mini-truc là? Rien que le bruit, ça... Ah, il est où ce con? Casse-toi! Putain. Oh là là. Ça m'a fait flipper cette merde là. C'est quoi ce message? Ok Marion, c'est Sally. Je te laisse ce message pour le moment où tu viendras récupérer mes affaires. J'espère ne rien oublier, c'est tellement important. La renaissance va avoir lieu. La renaissance, c'est les gens, t'es où? La renaissance va avoir lieu très très bientôt, comme promis. C'est une occasion unique, comme la seule d'une vie. Ou devrais-je dire d'un million de vies. Nous nous préparons à ça depuis l'aube de l'humanité. Tu te rends compte de cette chance? Nous allons assister à ça. Je suis tellement excité que j'ai des frissons. Ok, je dois partir, la cérémonie commence dans une heure. Je dois y être à temps. Adieu, je t'aime très fort, rejoins-nous. Haha, ok, bye. Ok, si tu veux. Vous êtes des gens chelous, de toute façon. Vous avez fait un gros truc, une grosse cérémonie, et il s'est passé quelque chose de chelou, non, c'est ça? Genre, c'était pas très cool, en fait. Qui, quand, comment, où? Ces petites merdes là, y'a pas moyen que je les. Que je les tue d'une autre manière. En tout cas, je gaspille des balles en fait, ça me casse les couilles. Oh, je vais pas utiliser ça. Ouais, bah ouais, je gaspille des balles, ouais. De ouf. De ouf, de ouf. Ah, j'ai plus de. Une place dans mon inventaire. Fuck off. J'aurais dû mettre plus de place dans mon inventaire. Fais chier. Merde. Bon, bah tant pis. Je verrai ce que j'ai, hein, écoute. Putain, c'est... Putain, mais ils dorment avec des petits monolithes à côté d'eux, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Tout jeune et tout survive. Ouais, tu survis, mais t'es vraiment plus trop un humain, quoi, concrètement. Il y a écrit quoi là?
She... Non. Save the Maker. Ok. What are you willing to give up your late for? J'ai pas compris. C'est pas grave. Ah! Encore un passage chelou! Mon dieu. Ok, hyper chelou. Help. Enjoy. Pousse-toi, toi, là. Le skate. Pousse-toi, le skate, j'ai dit. Voilà, pousse-toi. Enjoy the pain. Ok, ça a l'air sympa, tout ça. Mommy is sick. Keep us safe from monsters. Oui, 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 tout à fait, bien sûr. Tout à fait. The marker, ah, the marker, marker, the marker, on dit marker ou marker, je sais pas, peu importe, putain, je suis perdu là. Après, j'ai toujours la touche pour aller vers mes objectifs, mais j'ai envie d'un peu de tout visiter avant. Putain, c'est trop bizarre. Il y a des sigles partout, je comprends pas à quoi ça correspond. C'est des gens fous. Inventaire plein, bah ouais, je sais, merci. D'ailleurs, il est plein de quoi, mon inventaire, hein? Il est plein de trucs de merde, d'ailleurs. Pourquoi je peux pas bouger dedans? Ah ouais, ok, très bien. J'ai vraiment plus de place, tout ça, à cause de ma grosse arme. Eh bah écoute, on va la vider un peu, hein? Comme ça je pourrais récupérer des trucs. Mais j'ai 32 balles. Bon bah je vais pas tarder à avoir des ennemis, j'imagine. Quelque part. Putain, c'est des malades! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, tu m'as pas vu. Cours, Forest, cours! Je l'ai dit plus vite. Y'a pas un truc où je peux poser un stock là, où je peux poser mes affaires? Eh, c'est puissant en fait cette merde! Si on vise bien. Ah, non, recule. J'ai posé une mine sans faire exprès, tout va bien. Vite, mais par où? Mais attends, mais je suis bloqué là, je peux aller nulle part. C'est une blague. Ah non, si, il y a un ascenseur là. Oui, comme la dernière fois. Take us all. Ouais, ok. Moi, je veux juste me casser d'ici, les gars. Moi, je vous le dis honnêtement. Ça m'inspire pas trop confiance. Plus vite je me casse d'ici, mieux c'est. On va changer ça. Tant qu'à faire. J'ai monté de quelques étages. Pourquoi j'ai l'impression d'être au même endroit? C'est trop bizarre. Mais je suis au même endroit, non? Ou c'est moi qui pète un plomb? Ascendant, non, c'est bon, je... Ascenseur, mais non, ça veut dire ascenseur, pas ascendant. Hé! Non, mais j'étais là tout à l'heure. J'étais pas en dessous. Ben non, j'étais là, oui, c'est ça. C'est bien ça, du coup, bah, écoute. Je me suis trompé, quelque part. Oui, c'est ça. Très bien, je me suis juste trompé, en fait. Ok, je peux sauvegarder, mais je peux toujours pas vider mon inventaire. Vendre des trucs, tout ça. On va commencer par sauvegarder déjà. Et on va... Ah non, ça m'a fait descendre, tiens. Oui, ça m'a fait descendre d'un étage. Putain, il m'a fallu du temps pour descendre d'un étage, au final. Avec le gros monolithe, là. Ok, où, quand, comment?
Qui? Ah non, hein. Qui? Où? Comment? Ah, c'est à côté de moi, ça. Je le sens. Je le sens. Ah! Au! Mais il y a du monde, là. Ah, je suis lent. Je suis lent. Aïe. Ça, c'est le lance-javelot, ça. Ferme ta gueule, toi. Putain, c'est puissant, cette merde. C'est vachement puissant, cette merde. Lance-javelot. Alors ça, non. Surtout pas. Je peux pas, parce que j'ai toujours plus de place. Mais comment ça se fait que j'ai plus de place, là? J'ai tout viré. J'ai utilisé plein de trucs, là, déjà. J'ai plus de balles nulle part, à part sur mon lance-javelot et sur mon gros truc, là. À part les crédits, ça, je peux toujours les récupérer, ce qui est pas mal. Énergie plasma, ben, je peux pas, du coup. Merci beaucoup. Bon, peu importe. Continuons, pour l'instant je m'en sors, ça va. C'est pas si pire. Bon, je peux pas aller par là, je peux aller par là. Je peux sauvegarder même, c'est là où j'étais tout à l'heure, ça. Pourquoi c'est fermé? Trop bizarre. Ah, du crédit. Du crédit, ça je peux le reprendre, mon petit javelot, hein? Non, pas du tout. Ça aurait été sympa. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi quand j'appuie sur espace, ça fait ça? Je peux recharger? Parce qu'une balle, ça va pas le faire. Écoutez. Ah oui, d'accord, ça c'est la partie musée. Bon, je pourrais toujours écouter tout ça, mais... Mais j'ai un peu la flemme, j'avouerai. J'avouerai. Là, ça sent le boss à plein nez. Wow. Ils sont là. Entrez dans l'église, vite. Ouais, j'aimerais bien, mais gros. Ok, d'accord, c'est bon. Ça va, en fait. C'est par où? Dana, l'église d'unitologie. Pourquoi? C'est l'un des seuls endroits que Tideman ne surveille pas sur tout temps. L'église est séparée de l'État. Non, Dana, on ne devrait pas. C'est le dernier endroit où je voudrais aller. Isaac, mon frère s'est sacrifié pour vous sauver. C'est très important. Ok, gros. Ça doit marcher. Je suis dans une salle en haut de l'église. Venez là, ok? Ok, mec. Meuf. Mais d'abord, traceur avancé. Utilisé pour trouver les points de sauvegarde et plus. Qu'est-ce que quoi? Ok, très bien. Bon, je vais garder mon javelot. Moi, j'ai pas compris ce qu'il voulait que je fasse. Donc, apparemment, elle est tout en haut de l'église. Très bien. Ah, cool. Finally. Bon. On va sauvegarder et on va s'arrêter là. On ira rejoindre la meuf au prochain épisode, du coup. Au prochain épisode, comme ça, au moins. On va juste vendre ce qu'on a à vendre. Histoire de pouvoir récupérer tout ce qu'on a récupéré. Bon, le mieux, évidemment, ce serait que je puisse tout simplement... Mais non, pas merci, bonne journée, gros con. Que je puisse retourner tout en arrière pour aller récupérer tout ce que j'ai pas pu récupérer, hein, bien sûr. Pff, ouais, mais j'ai trop de trucs, là, c'est chiant. Munition pour trancheur, bah ouais, j'en ai trop, là. Je vais en vendre. Hein. Sans regret, oui. Voilà, comme ça me fera au moins deux places supplémentaires. Est-ce qu'il y a des trucs à acheter, éventuellement? Éventuellement. Si je m'achetais des points de force, histoire d'avoir plus de place dans mon inventaire, ce serait pas con ça. Yep, sans regret. Ce serait pas con, on va voir si ça marche. Ça doit être où? Ça doit être dans le rig, j'imagine. Force.
Non, c'est pas là. C'est pas là. Mais j'ai que ça. Module de stase, peut-être. Durée, énergie, charge. Ah, mais je peux pas augmenter la... mon inventaire. C'est une blague. Sérieux? C'est trop dur. C'est trop dur. Bon, là, j'ai l'impression qu'on peut faire plus de trucs la dernière fois. Bon, c'est pas grave. Enfin, on va augmenter mon arme d'assaut, histoire de... d'augmenter la capacité. Quoi? Mais je peux pas? Ah, je suis obligé de prendre ça. Sous des points de... Ah, ok. Je suis obligé d'utiliser un point pour... Ok, on va augmenter les dommages aussi, t'as qu'à faire. Hop! Voilà. C'est une... Enfin, je pense que la mitraillette, c'est un autre truc qui va le plus me servir, quoi. Concrètement. Mais ce qui me fait chier, c'est que du coup, je peux pas prendre des capacités plus grandes sur moi. C'est un peu chiant. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite des épisodes. Et je vous souhaite une bonne journée, soirée. Tchuss!